la bouteille vivante. Maman, j'ai besoin d'une nouvelle bouteille d'eau parce que j'ai brisé le mien. Ok, on peut aller à Walmart. Mais je veux aller au Sport Check. Oh, parce que je veux une bouteille d'eau comme Michel Joe. Non, je n'ai pas assez de temps. Mais maman, je n'aime pas les autres bouteilles d'eau et j'ai vraiment besoin d'une bouteille d'eau. Ok, mais on va y aller demain, la journée précédente, 7h30 du matin. Oh, je ne veux pas aller à l'école. Oh, c'est vrai, je n'ai pas d'école. C'est samedi. À 9h, je vais en bas et je mange mon déjeuner et je vais dehors pour rencontrer maman. Bon matin, maman. Bon matin, mon fils. Est-ce qu'on va à Westminster Mall? Oui. Est-ce que tu as ton argent? Non, mais tu as mon carte d'achat. Oh, Catherine veut aller à Chapters. Ok, oui, oui. Ok, on va y aller en une minute. Après Chapters, une heure plus tard, à Sport Check. Maman, est-ce que tu sais où les bouteilles sont parce que je ne les vois pas? Demande à la madame là. Allô, est-ce que tu sais où les Gatorade bouteilles sont? Oui, ils sont au comptoir. Ok, merci. Passe une bonne journée. Maman, c'est là au comptoir. Ok, allons-y. Il a tellement un ligne long que ça va prendre une heure. Une heure plus tard, on est encore dans la ligne. Mais, maman, la ligne est presque là. Ma main a chaud. Ah! La bouteille a une face et une bouche et aussi des ailes. On doit la cacher. Bien sûr que non, tu ne dois pas, dit la bouteille. Pourquoi est-ce que tu parles? Parce que je suis une bouteille magique qui parle. Comment est-ce que je peux t'aider à retourner chez toi? Tu dois juste rester avec moi pendant 24 heures. Ben, je ne peux pas parce que j'ai ma famille. De toute façon, tu vas être pris avec moi. Non, je ne veux pas être pris avec toi. Bien. Tu restes ici avec moi. Ok, je vais rester. Mais ensuite, je ne veux plus te voir. Mais, tu dois m'aider avec le défi. Quel défi? Tu dois trouver les parties de mon auto. Quoi? Tu m'as jamais dit ça? Oui, j'ai dit ça. Ok, comment est-ce que je peux t'aider? Il est 12h du matin. Ils ont tous les parties de l'auto et ils commencent à travailler quand ils construisent l'auto et qu'ils ont essayé de la commencer, ça ne fonctionnait pas. Alors, ils ont cherché une partie parce qu'ils disaient qu'il manquait une partie. Ils ont trouvé la partie et ils ont dit leur au revoir. La fin de l'histoire est que Benjamin va à la maison avec une nouvelle bouteille.